Israël chute. Ce n'est pas de la science-fiction. Ce n'est pas une image artificielle. Les gens de la bande de Gaza sont vivants. Leurs rêves sont réels. Et même leurs fantômes résistent. Israël et l'Empire sont morts, enfoncés dans l'expansion de la vie artificielle. Seuls leurs cauchemars sont réels. Leur fin est logique. Ils ne sentent plus que le danger, l'hostilité du moindre bruit. La survie palestinienne est le grand danger. Les technologies de surveillance ne font que l'enregistrer. Qui aurait cru que la mort aussi avait un terme? Première bonne nouvelle depuis 2000 ans. Dernière leçon de Gaza. Partout, intifada.